Coucou les garçons. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. C'est bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. On est où là? Dans le magasin Lego. Oui. Mais où? À Disneyland. À Disneyland Paris, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? Un shopping. Ah oui, un shopping. Et puis alors, il y a du choix. Hein, bon, c'est parti, on découvre cette boutique Lego. Oui. Allez, on y va. Ça a l'air très très grand. Et il y a de très belles constructions. Hein. Allez, on va voir tout ce qu'il y a. Ils sont trop bien faits, vous avez vu ça? Ah, on voit qu'on est chez Mickey. Ah, regarde, ils ont déjà sorti les trucs pour Noël. J'ai vu? Eh oui, le Père Noël, le train de Noël. Super. Ah, Néo, il a repéré Star Wars. Vous avez vu le dragon? Enfin, je sais pas si c'est un dragon, regardez. Il commence là, bien sûr, il est intégralement en Lego. Là-bas, il y a un autre petit bout. Voilà. Ici, encore un morceau, on le voit derrière. Encore un là. Et enfin, la fin du dragon. Incroyable, tout en Lego. Regardez, il y a R2-D2. Tout en Lego aussi, bien sûr. C'est chouette, hein, dis donc. Regarde les petits lapins qui mangent des carottes. Tout en Lego aussi. C'est original. Toy Story, vous avez vu? Tout en Lego aussi. Trop, trop bien. Ah, Néo, t'aurais la patience de faire ça? Non. Il y en a un petit peu beaucoup des pièces là quand même. Hein, Jurassic World. Bien sûr, les Lego Minecraft, évidemment. Ah, regarde Swan. Il y a Ghostbusters et Scooby-Doo. Tout ce qui fait un petit peu Halloween. C'est là Scooby-Doo, regarde. Ils sont là, chérie. C'est moi Scooby-Doo? Là, il y a nos copains les Simpsons. J'avais pas vu le gros ballon qui était derrière. Super grand. Et voilà, le fameux château de Disneyland en Lego. Il est arrivé. Il est trop trop beau. C'est parti pour la construction. Il y a de quoi faire là. Hein. C'est parfait. Tu es très beau comme ça. On te les prend? Non. Non? Mais pourquoi? Tu veux des gants de Mickey, Swan? Oui. Oui. Ça te plairait des petites mains comme ça? Petit cœur. Alors les copains et les copines, on vous avait mis le début du shopping qu'on avait commencé hier, voilà. Et on n'a pas pu finir parce que c'était trop tard. Voilà, il était temps d'aller se reposer. Donc là, on vous met un autre petit morceau de notre shopping. Donc je pense que la vidéo shopping, elle va être un peu fragmentée. Vous aurez des petits bouts, voilà. Petit bout plus petit bout plus petit bout. C'est quoi? Petit pois. Des tsum tsum petits pois. Et là, quand tu les enlèves, ça fait un tsum tsum. La passion de Néo pour les tsum tsum. Vous avez vu tous ces tsum tsum? Je n'avais pas vu tous ces petits tsum tsum. Oh, excellent! Les tsum tsum d'Halloween. Oh, ils sont superbes. Tsum tsum Jack. Oui, regarde. Waouh. En plus, il y avait plein de tsum tsum Halloween. Halloween et Noël en fait. Ouais. Ils sont aussi habillés en Père Noël. Il y a le Père Noël. Oui. C'est super sympa ça. Trop joli. Hein. Ceux-là ils sont sympas aussi, on les connaît pas du tout. Oui, il y en a plein de nouveaux. Ouais. Ils sont sympas ceux-là aussi. Regarde. Chouette hein. C'est Sullivan. Non. Oh, ils sont trop beaux. On a envie de les adopter. Non, lui c'est Sully. Ah oui, Sully, pardon. Oh, excusez-moi, monsieur. Tu le reconnais, Swan? Ah oui, il fait des merveilles. Ça te convient, Swan? Un boa de chat. Boing. Ça te va très très bien. Ah, c'est Pumba. T'en avais eu un de Pumba comme ça quand t'étais petit. Hein. Enfin, il était un petit peu plus petit, tiens. Et c'est un ami à toi en fait. Regarde, il ne pense qu'à manger Pumba. Vous avez des similitudes. Et ça c'est Timon. C'est Swan.
Swan c'est Dimon et Pumba c'est Néo. Ah bah non, il veut manger la caméra. Tu veux un sac comme ça, Swan? Il fait pas un petit peu peur, ce sac à dos Yoda? Non, ça va? Non. Il est un petit peu effrayant, moi, je trouve, quand même, hein. Que la force soit avec toi. Il existe aussi en Ewok. C'est peut-être moins inquiétant en Ewok. C'est parfait, écoute. Ce bonnet te va merveilleusement bien. C'est bien ça, pour aller au collège, non? Très joli. Voilà, avec des grands fans. Salut. Là, il y a des choses pour Halloween. Regarde, Swan. Est-ce que tu veux un chapeau Jafar? Il y a juste un petit problème de taille, mais ça te va bien. Ah, vous voulez des yeux, les garçons? Des yeux en chocolat. Sympa, ça. Non, on dirait des billes. On dirait des billes. Oh, il y a des jolies tasses, regardez. Ah, elles sont excellentes. Les tasses d'Halloween. Et regarde, Swan. Un pèse avec un vampire. Et puis aussi avec une sorcière. Avec une citrouille et un fantôme aussi. Oh, c'est sympa ça. Néo, une petite tasse pour le matin, regarde. Ah oui. Pour te mettre de bonne humeur. Ah, ça c'est excellent. Pour aller chercher nos bonbons. Ah, c'est bien. Un petit seau. Ouh, Swan, viens voir, il y a des jolis t-shirts là. Regarde. Des t-shirts avec les méchants. T'as vu là? Les méchants Disney réunis. Et là, regarde, Mickey, il est en vampire. Puis là, il y a aussi Minnie, sympa. Celui-là, il y a même un verso, regarde. Waouh! Les flammes de l'enfer. C'est super bien. Bien. Tu en veux un comme ça ou pas? J'en veux un comme ça. Allez, à te juger. On prend celui-là pour toi, Poussin. Oui. Tu es magnifique comme ça. Il y a un problème, Néo. Tu vas pouvoir avancer comme ça? Ça te va bien, hein? Ton conseiller Yago sur l'épaule, il te donne des bons conseils? Oui. Plein de bêtises à faire, c'est bon? Néo, tu t'es transformé en sorcier là. Ah, il me dit Gryffondor. Gryffondor? Ouais, Gryffondor. T'es devenu le chapelier fou? Regarde, il y a le petit lapin là. Mais c'est toi le petit lapin, tu sais, le fameux petit lapin qui court partout et qu'on retrouve plus dans les boutiques et les hôtels. Je suis en retard, je suis en retard. Voilà, exactement. On commence le shopping d'hiver. Alors vas-y, sur la thématique Halloween, voilà, parfait. Pour avoir bien chaud aux oreilles. Tu vas comme ça au collège? Ouais. Oh vas-y, bah alors là je te prends au mot, on va voir. Et ça c'est le shopping pour maman. Voilà, le bonnet, mini bien sûr, élégant, assorti. Et peut-être même la veste là. Alors votre avis les garçons, est-ce que maman prend la veste? Ah oui, oui, tu avec les oreilles de mini, c'est vrai? Oui, elle est trop marrante. Elle est trop marrante, et puis elle est toute douce, voilà. En fait, c'est une veste à câlins. Les garçons sont d'accord pour que je la prenne pour pouvoir faire un maximum de câlins. Voilà, elle est sur le mannequin, la veste, en fait. Voilà ce que ça donne. Il y a des super oreilles de mini. Bon, le reste, c'est tout simple, hein. C'est tout noir. Et c'est vrai qu'elle est toute douce. Mmh. Ouais, je crois qu'on va la prendre pour toute la famille. Dans cette boutique, il y a carrément un manège là-haut. Voilà. Mais là, c'est un manège juste pour Mickey, Minnie, Donald. C'est pas nous qui sommes dans le manège cette fois-ci. Les pyjamas de Noël déjà. T'as vu comme c'est joli? Bon, Swan, il a passé l'âge des pyjamas de Noël. Sniff, maman, elle aime bien ça. Oh, regarde. Il est marrant celui-là. Alors, le grand bleu là, c'est Néo. Et le petit vert là, c'est Swan. Voilà, duo de choc. C'est vous, non? Là, on peut fabriquer son Monsieur Patate. C'est marrant, ça. On les prend où, les Monsieur Patate? On les prend là, en dessous. Une provision de Monsieur Patate. Et après, on les personnalise. Voilà, les mains, les cheveux, les yeux. C'est rigolo, ça. Ça prend forme chez Swan, hein. Tu lui mets carrément un pistolet dans l'oreille? Il est bizarre, oui. Dis donc, ça serait pas un monstre Monsieur Patate des fois? Non? Toi, t'aimes bien faire des choses un petit peu bizarres, hein? T'es pas en train de lui mettre des yeux à la place de l'oreille, là? Non. Le coquin. Est-ce qu'il est fini ton Monsieur Patate? Oui. Voilà, la création de Swan. Magnifique. On est entre la fée, le monstre,
le monsieur bizarre. Voilà, création très originale, hein, c'est sûr. Et voilà, rencontre aussi pendant le shopping. Petite photo supplémentaire. Qu'est-ce que tu as vu? Nouveau Tsum Tsum. Néo et sa passion des Tsum Tsum. Ah oui, Zootopie. Hey, il y a la musique en même temps, écoute. Ah ouais. Ah, c'est marrant ça. Poisson, je crois bien. Effectivement, hop, Zootopie. Ici, la taupe aussi. Et c'est Mr. Big. Ah, je les connais, attends. Ah, et le lion aussi. C'est dans. Ah oui, lui il était marrant, il mangeait des donuts, je m'en souviens. Oui. Ils sont marrants ceux-là aussi. Oui, hein. Il est tout sous. Ça c'est Buzz l'éclair. Ah, il est beau celui-là aussi. Petit quoi. Regarde. Ah, c'est quand même celui, je le connais ce dragon. Et il est dans quoi celui-là? Ça me dit rien. Il est marrant. Je crois qu'il y a qu'ici qu'on voit autant de Tsum Tsum au mètre carré. Incroyable. Ah, toi t'as retrouvé méchant Stitch. Tu l'avais déjà vu dans une boutique hier. Oui. T'aimes bien quand il est en méchant? Oui. Il a plein de bras. Ah oui, il a beaucoup de bras lui. C'est pratique. C'est ce qu'il me faudrait pour pouvoir suivre le rythme à la maison. Au moins 4 bras, ça serait pratique. Tu t'envoles? Allez, c'est parti! Tu vas t'envoler, Néo! Ils sont trop beaux! Tu vas faire comme dans le dessin animé là-haut! Ah, regardez, c'est les super-héros là! Waouh! Sympa là aussi, en peluche! Oh, sympa la veste, regarde! Bon, c'est pas très discret pour aller au collège, mais c'est sympa! Swan, tu as trouvé ton bouclier? Tu vas te défendre! À l'attaque! Vas-y Captain America, défends-toi. Ça y est, tu es équipé Swan. Tu as la panoplie complète. Waouh. Là c'est Swan qui va être content hein. Super costume et un beau t-shirt. Waouh, magnifique. Bon, les tasses sont super sympas aussi. C'est ce qu'on appelle le taper du poing sur la table. Voilà. Bon, je crois que là on a un combat. Il y a Hulk. Hulk contre Captain America. Néo, ça te va très bien aussi le bonnet comme ça. Hein. C'est parfait. Regarde Néo. Ils sont beaux ceux-là. Hein. En doré. Waouh, regarde. Tu veux pas un Chewbacca doré? Et là, vous fabriquez vos lasers? Oh, sympa ça. Ah ouais, les étapes à respecter. Tu peux fabriquer ton propre laser. C'est marrant ça aussi hein. Toing, toing, toing. Ils sont super ces sabres. Waouh. C'est un grand magasin de bonbons là. Des bonbons Goofy. Regarde Swan. Une citrouille à bonbons d'Halloween. Yam yam. Du chocolat. Oh, du chocolat, regarde, des petits fantômes. Et des petites citrouilles en chocolat. Waouh. XXL. Waouh, qu'est-ce que tu as vu d'XXL? Ah. Un pèse XXL. Waouh, il est immense celui-là. Oh, fais voir par rapport à toi la taille. Il est immense. Mais si je mets comme ça. Quand même, hein, ça fait un sacré distributeur de bonbons ça. Hein. T'as trouvé toi des bonbons? Ah oui, c'est bizarre ça ce Mickey. Il se met des coups de sucette. Bizarre ce Mickey. C'est ton souvenir de Disneyland? Oui. D'accord. Tichou, la gourmandise l'emporte. Alors bien sûr, il y a aussi Mini. En pèse XXL, voilà, comme ça, pas de jaloux pour les garçons et pour les filles. Et voilà. Rencontre aussi à Disney Village pendant notre session shopping. Comment tu t'appelles? Nolan. Salut Nolan. Un super cadre avec Néo, voilà, magnifique. Alors les garçons, ça y est, on a fini notre shopping à Disney Village. Qu'est-ce que vous avez préféré dans ces boutiques alors? On est allé dans le magasin. Néo et sa gourmandise de magasin de bonbons. Et toi Swan? Quand j'ai vu le pèse géant. Ah, le pèse géant, c'est ce que tu as préféré aussi. Les copains et les copines, quel moment vous avez préféré?
Et surtout, à bientôt ma copine. Bye bye. À bientôt les copains et les copines. Si vous avez l'occasion d'aller à Disney Village, bah évidemment ne ratez pas le shopping super sympa. Et bye bye tout le monde. Chez Annette. Annette ? Ouais, on va manger des hamburgers. Ok. Ouais. Et après l'effort du shopping, bien sûr, voici le réconfort. Nous allons manger chez Annette, le fameux restaurant avec les rollers. Bon appétit les garçons. Merci. T'as quoi toi Néo ? Un hamburger Halloween. C'est marrant celui-là, avec un pain noir. C'est spécial, hein ? On espère que ça va être bon. Pas seulement beau, mais bon. Et voilà, hop, serveuse sur roller, on vous l'avait dit.